Ah, vous savez, les potos entre frères et sœurs, on aime bien se vanner et se lâcher des grosses punchlines. Il y a cette fille qui dit à son frère, hey, « Eh frérot, je voulais te dire un truc pour bien commencer ta journée. » Oui, je t'écoute. Il lui fait, ouais, vas-y, je t'écoute. Elle lui fait, tu ressembles à mes fesses après une diarrhée. C'est vrai, Steven? Voilà, bonne journée à toi et bon courage. Je me suis fait l'image, là. Il lui dit, hey, fais attention avec l'abus de maquillage, petite sœur. Il pleut aujourd'hui, ça risque de couler sur ta gueule. Bonne journée à toi aussi. La partie est terminée, Alan. C'est une marque d'affection comme une autre, hein. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment très grande forme. Vous l'avez vu au titre aujourd'hui, c'est les pires SMS entre frères et sœurs. Moi qui ai deux petits frères, je sais qu'à tout moment, il peut y avoir du chantage, des coups de pression, un petit peu de méchanceté, de bagarre quand même. Je sais pas pourquoi, c'est un peu pour montrer qui est le plus fort, tu vois, qui est le plus gros gangster de la famille. En tout cas, mon poteau, on va bien rigoler aujourd'hui. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et tu sais quoi, dis-moi dans l'espace commentaire, est-ce que t'as des frères et sœurs? Combien? Dis-moi tout ça et c'est parti. Alors là, on va commencer très fort et avec la situation la plus gênante qu'on ait jamais vécue dans les pires SMS. Il y a cette fille qui dit à son grand frère, il faut que je te parle d'un truc gênant et vraiment compliqué à avouer. Alors son grand ref, il est là pour la protéger, pour l'écouter. Il dit, mais tu peux tout me dire, Sorette, tu sais que la famille s'est fait pour ça. Et elle lui fait, oui, mais justement, c'est pas bien ce que je ressens et je le sais, mais c'est plus fort que moi. Wow, attends, tu me fais peur là. Est-ce que vous voyez le truc arriver? Il lui dit quoi? Attends, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu me dis. Ou alors je me fais peut-être un sale scénario dans ma tête. Rassure-moi. Elle fait, tu as compris ce que je veux te dire. Mes sentiments d'amour pour toi qui sont pas normales pour un frère et une sœur. Oh là là. Je suis gênée, alors que pourtant je suis anthropologue. C'est mal, je sais bien, mais quand je suis avec toi, tu m'excites un peu. Je pense à toi le soir dans mon lit. T'es toujours très gentil avec moi. Oh mec, franchement, ma petite Russ qui me dévoile ses sentiments d'amour et qui me dit qu'elle est excitée en étant proche de moi, c'est chaud. Vous êtes probablement gênée aussi. Ne faites pas ça chez vous. Il lui fait, écoute Maëva, non pitié, tu peux pas me dire ça. C'est de l'inceste. Écœurant, t'es ma petite sœur, tu te rends compte? C'est juste que tu te cherches encore et que t'as pas trouvé un garçon qui te plaît. Et elle lui dit, mais attends, je sais bien, mais c'est plus fort que moi. C'est toi que je veux, tu comprends? Je crois qu'il a compris. Je pense qu'à toi tout le temps, j'aime ton corps, tes yeux, tes fesses. Oh non! C'est bon, stop, ça suffit! Bon, j'arrête, mais maintenant tu sais tout. Ok, là c'est horrible. Il lui fait, stop, stop, t'es trop malaisante, Sorette, tu me mets dans une situation horrible là. J'ai presque pas envie de rentrer à la maison de te croiser. Laisse-moi du temps et on en parlera en face. Et va rencontrer d'autres mecs par pitié. T'imagines quand tu rentres à la maison, tu croises ta sœur, tu la vois plus du tout pareil. À chaque fois qu'elle te mate, tu sais qu'elle a des attirances sexuelles pour toi. Non, j'imagine pas. Et tu sais pas comment réagir. Elle est peut-être en train de se découvrir, mais c'est horrible comme situation. Alors ce gars-là, il m'a clairement terminé. Il envoie un message à sa sœur et lui dit, t'as laissé ton manteau dans ma chambre, viens le récupérer. Elle lui dit, attends, est-ce que tu peux le ranger dans mon armoire, s'il te plaît? Merci beaucoup, petit frère. Et lui, il lui sort cash. Eh, mais t'as cru que j'étais ton chien, wesh? Bouge le récupérer, sinon je me torche les fesses avec, je te préviens. Ah, mais c'est une super idée. Oh, la violence des propos. Elle lui fait, mais putain, tu peux pas être gentil pour une fois. Tu casses les couilles. T'auras jamais de meuf si t'es aussi désagréable. J'avoue, elle lui demande un petit service, juste de ranger son manteau dans son armoire. T'as vu comment il lui parle? Et il fait, hey, mes fesses et mon anus se rapprochent de ton manteau. Je te préviens, attention. Oh là 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 là. Et toi, cette image en tête, la psychologie? D'ici 2 minutes, il changera de couleur, il sera marron. C'est un dingue. Elle lui fait, t'inquiète, j'arrive, mais je vais t'en mettre une dans la gueule, bouge pas. Elle va rentrer dans sa chambre, elle va lui décocher un aller-retour. Honnêtement, je pense que là, ce frère, il se fait du souci pour l'avenir de sa petite sœur, mais il va tenir des propos quand même assez osés. Il lui envoie un message, il fait, faut que je te dise, tu t'habilles de plus en plus comme une prostituée, c'est vraiment pas possible, respecte-toi bordel. Par contre c'est pas très sympa. Ce matin tu m'as choqué, on voyait quasiment tes fesses et ce gros décolleté. Enfin bon, si ton frère te dit pas les choses, tu comprendras jamais. Putain, c'est cash quoi. Et les parents ils sont beaucoup trop cool pour te dire quoi que ce soit, t'es vraiment leur chouchoute. C'est dur comme propos, il est clairement en train de dire que sa sœur s'habille comme une... Elle lui fait, bah c'est sûr que je me fringue pas comme toi en mode clochard. Ouais. Je connais cette théorie. Oh la violence. Tu penses que tu veux, mais moi je fais ce que je veux. Ok, bon, elle se laisse pas faire. Elle accepte pas du tout la réflexion. Et en même temps je peux comprendre. Il fait, et allez, voilà, obligé de faire la meuf sur la défensive. Tu comprends jamais rien quand on te dit les choses honnêtement. Y a aussi une façon d'amener les choses plus respectueuses. Ouais, c'est pas faux. Elle lui fait, mais tu comprends pas que ton avis de frère célibataire depuis la naissance, qui attire aucune fille, qui est solo avec ses seuls potes geeks, je m'en branle totalement.
Eh gros, elle mâche pas ses mots. Il faut qu'elle claque. J'aime comme je suis et comment je m'habille et me mets en valeur. T'es pas content, c'est la même chose. En fait, t'es blessant et ce genre de réflexion est pas normal pour un frère qui est censé aimer sa sœur. C'est totalement vrai. Il lui dit, mais justement, je t'aime et j'ai le courage de te dire les choses, moi, ok? Mais tu sais quoi? Va te faire foutre et continue à faire la pute. C'est pas mon problème comme tu le dis si bien. Il faut respirer, en fait. Quand tu verras que les garçons te traitent comme une merde parce que la seule chose que tu leur apporteras, c'est ton corps et pas ton intelligence, ou ce que t'as dans le cerveau, eh bien tu comprendras. Mais il est hyper dénigrant. Il y va fort. Elle fait, oh mais tu sais quoi, j'ai même plus envie de t'écouter. Continue à rester enfermé dans ta chambre, à parler à ta console de jeu, ta seule pote au passage. Bam. Et on se portera bien tous les deux. Oh. Bon là je pense clairement qu'il n'y a pas de débat à avoir, il s'y est clairement très mal pris, même si je pense que c'était bienveillant, c'était pour protéger sa sœur, mais il a tenu des propos abjects clairement. Vous savez les frères et sœurs, à part s'en mettre plein la gueule, se dénigrer, ils peuvent aussi se protéger l'un l'autre. C'est vrai ça, comment ça marche? Il y a cette fille qui dit à son grand frère, il y a une qui m'a frappé. Putain, elle est en train de chialer. Il fait, hein, attends mais à l'école? Elle lui fait, oui en fait elle me lançait des boulettes de papier dans les couloirs, je lui ai dit d'arrêter et elle a continué. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi la vilaine? Alors je l'ai poussée. Et ensuite, elle m'a giflé et tiré les cheveux devant tout le monde. Ah ouais, violent. Et les autres ont rigolé, le prof nous a séparés et l'a même pas puni. J'en ai vraiment marre de ce collège. Est-ce que le grand frère va laisser passer ça? Pas du tout. Il fait, attends, mais tu vas bien? T'es pas blessé? Je la connais cette fille? C'est celle qui t'embête depuis le début de l'année? À tous les coups, ça va partir en sucette cette affaire. Donc sa sœur lui fait, non écoute, j'ai juste mal à la joue car elle m'a tapé au visage, mais ça va. Et oui, c'est la pute qui m'avait déjà volé mon cartable en début d'année. Le frère, il fait, attends, tu finis à quelle heure? Elle lui dit 16h30, pourquoi? Il fait, écoute, je vais venir devant ton collège. Tu vas me montrer à quoi ressemble cette connasse et je vais lui dire quelques mots, ne t'inquiète pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va saigner. Le grand frère à la rouscous, super grand frère quoi. Et la sœur, elle dit, non mais attends deux secondes, parce qu'elle va dire après que je sais pas me défendre toute seule. Je vais avoir honte. Et le frérot, il fait, non mais t'inquiète pas, elle va tellement se faire pipi dessus qu'elle t'embêtera plus jamais, promis petite sœur. Et la gamine qui fait, ok, merci beaucoup. C'est incroyable. On peut, entre frères et sœurs, se balancer des vannes dans la gueule, mais dès qu'il y en a un qui va mal, on pourra toujours compter sur sa famille. Et on est quand même obligé de terminer cet épisode avec cette petite pépite. Il y a ce petit frère, il envoie à sa sœur, maman, elle arrête pas de t'appeler au téléphone, meuf, t'es où? Elle va vraiment te tuer. La sœur, elle fait, mais je sais, je vois tous ses appels, mais en fait, je t'explique, je suis avec mon copain chez lui et j'ai pas vu le temps passer. Mais tu connais maman, elle veut pas que je sorte avec des garçons, donc bien sûr, elle est au courant de rien. Je sais pas quoi lui dire en fait, je suis vraiment dans la merde. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Le petit frère, il va lui donner un conseil, il fait, mais je sais pas, dis-lui que t'étais chez des copines pour finir du travail au pire. Bon, même si ça paraît un peu improbable avec toi, MDR. La sœur, elle fait la blague, non mais elle y croira jamais, maman. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Genre, elle est partie travailler chez des copines, mon cul. Et le petit ref, il fait, ah oui, tiens, au fait, demain, je vais taper un McDo avec des potes. Est-ce que t'aurais pas 10 euros à dépanner, s'il te plaît? Comme maman, elle est hyper vénère, je vais pas lui demander. Oh, est-ce que vous sentez le truc venir? Il est censé aider sa sœur, qui est dans la merde, et il en profite dans la discussion pour lui demander 10 balles. Ce à quoi elle va lui répondre, non, non, mais attends, Raph, tu vas jamais me rendre ma thune, c'est mort. Je suis pas blindé, tu le sais très bien, j'ai des trucs à acheter aussi, je peux vraiment pas, désolé. Et Théma, ce bâtard, ce qu'il va faire? Il fait, attends, je me dirige vers maman pour lui dire que t'as un petit copain et que tu es chez lui pour baiser. Oh, oh l'enculé. Quel bâtard. Je vous ai dit, le chantage, toujours entre frères et sœurs. Elle fait, ah non, t'as pas le droit de faire ça. Pas de chantage, tu m'entends? Il fait, écoute, t'as une minute pour réfléchir à ma proposition, sinon maman, elle saura tout. C'est la loi du plus fort. Elle fait, t'es vraiment une merde, Raph, sache-le. Je te fais confiance, je te dis la vérité, et toi, tu l'utilises contre moi. C'est hyper malsain et irrespectueux. J'avoue, elle lui dit la vérité, elle pense que son petit frère va le sortir de la galère. Chose qu'il utilise pour récupérer 10 balles par la suite. Il fait, bon alors, t'es d'accord pour mes 10 euros? Oh là là, mais quelle enflure! Celui-là, il est tenace. Elle fait, pfff, hey, mais sache que tu me le paieras ça. Ok, je te les donne ce soir, putain. Il lui répond, merci bien. C'est affreux. Tu penses que ton frère va te sortir de la galère, va t'aider vis-à-vis de ta maman qui va la déchirer, cette fille? Et en fait, non, il vient juste te gratter 10 balles et utiliser la situation, le chantage à son avantage. Ça me fume. Les potos, c'est la fin de la vidéo. On a eu des situations complètement dingues. N'empêche, moi, je suis un grand frère. J'ai que des petits frères. Mais si ma petite sœur me dit qu'elle est tombée amoureuse de moi et qu'elle est excitée quand elle me voit, mec, je sais pas comment je réagirais. C'est chaud. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi aussi si vous avez des frères et sœurs, combien vous en avez. Et si tout va bien, nous on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde, bye.